وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Serviteur d'Allah, la moralité et le comportement a une très grande place et un degré très élevé dans la religion islamique. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le connaisseur de toutes choses, qui lui a donné cette place. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a mis en pratique ce comportement jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les décrit avec cette caractéristique énorme qui est la plus élevée en disant dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Qalam, dans le sens des versets, « Et certes, tu jouis, ô Mohammed, d'une moralité très grande. » Ici, Allah ta'ala n'a pas détaillé quelle est cette moralité. Il l'a donné en globalité, en général. Et il l'a loué avec avec ce comportement-là et cette qualité. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, cette haute moralité par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a décrit notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la religion dans sa totalité. C'est ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné de faire dans sa globalité. C'est comme cela que Mujahid a expliqué ce verset et autres que lui. Et son comportement était l'explication et la mise en pratique du Coran. Comme Aïcha radiallahu anha a dit, son comportement était le Coran. Et la réalité de cette moralité et de ce comportement qui est demandé en islam, c'est le fait de s'empresser à pratiquer tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala de bon gré, par amour et avec plaisir. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, le bon comportement et la haute moralité, c'est la religion dans sa globalité et dans sa totalité. Et ceci est la réalité de la foi et des rites de l'islam. Beaucoup de gens pense que le comportement n'est lié qu'avec les créatures, que dans son comportement avec ses voisins ou avec ceux avec qui il travaille. Alors que c'est beaucoup plus vaste que cela. Le comportement englobe toutes les règles de l'islam. Le comportement avec Allah, premièrement, de l'adorer sans lui donner aucun associé et de l'aimer comme il doit être aimé et adoré, subhanahu wa ta'ala, et de lui obéir. Le comportement avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de l'aimer et de le suivre et de lui obéir et de le prendre comme exemple et de défendre sa sunnah. Puis le comportement avec soi-même, avec ses parents, avec ses proches, avec la religion, avec les mécréants, avec les musulmans, avec les animaux, avec les choses inertes, avec toutes choses. Donc, ce comportement et cette moralité dont Allah tabaraka wa ta'ala parle, comme a dit Ibn al-Qayyim, c'est la religion dans sa totalité. Et ce n'est pas seulement ce que certains voudraient enfermer seulement dans les relations humaines. Moi, je ne suis pas méchant, j'ai une bonne relation avec mes voisins. Ils n'adorent pas Allah, ils l'insultent matin et soir, ils ne suivent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent je ne suis pas méchant. Tu es un combustible de l'enfer si tu meurs comme ça. T'as beau être gentil avec l'humanité entière, si tu n'obéis pas à Allah et à son messager, tu es un combustible de l'enfer. C'est pas ça le comportement. Bien sûr, c'est demandé en islam d'être bon avec ses voisins, même s'ils sont mécréants. Mais ce n'est pas la première chose sur laquelle tu vas rendre des comptes. La première chose, c'est ton adoration. C'est le fait de ne rien associer à Allah, d'être mort sur la foi. Puis parmi les actes, la salat, etc. On voit aussi dans plusieurs hadiths authentiques la valeur et la place qu'a la personne qui se comporte avec ce comportement de l'islam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit
Le croyant, atteint par son bon comportement et par sa haute moralité, le degré de celui qui prie toutes les nuits et qui jeûne tous les jours. Et pour montrer la grande relation et le lien étroit qu'il y a entre la foi et le comportement et le caractère, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les croyants qui ont la foi la plus parfaite sont ceux qui ont les meilleurs comportements et les plus hautes moralités. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi: certes, parmi ceux que j'aime le plus parmi vous et qui seront ainsi le plus proche de moi le jour du jugement dernier, ce sont ceux d'entre vous qui jouissent du meilleur comportement. Et certes, ceux que je déteste le plus et qui seront assis le plus loin de moi le jour du jugement dernier, il y a les bavards et ceux qui exagèrent dans la parole, qui veulent cacher le faux avec leurs belles paroles, et al-mutafayhiqoun. Les sahaba ont dit au messager d'Allah: on sait qui sont les bavards et on sait qui sont al-mutashaddiqoun. Al-mutashaddiqoun, c'est ceux qui veulent embellir le faux ou bien en les dire le vrai avec leurs paroles. Ils ensorcellent les gens avec les paroles. Mais on ne sait pas qui sont les mutafayhiqoun. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce sont les orgueilleux. Donc voilà les trois catégories qui sont détestées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui seront assis loin de lui le jour du jugement dernier. Les bavards, les gens qui veulent embellir le faux par des belles paroles ou en les dire le vrai par des mauvaises paroles, et les orgueilleux. Et les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement dernier, ce sont ceux qui jouissent d'un bon comportement et d'une haute moralité. Quand on a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: quelle est la chose par laquelle les gens entrent le plus au paradis? Il a dit: la crainte révérentielle d'Allah et le bon comportement. Et quand on lui a demandé par quelle chose les gens entrent le plus en enfer, il a dit: la bouche et le sexe. On voit donc dans ces hadiths qui ont été cités et beaucoup d'autres la place du comportement et de la haute moralité en islam. Il faut savoir aussi que le comportement et la haute moralité en islam, ce ne sont pas seulement des textes théoriques ou bien utopiques comme certains ils auraient dans certaines philosophies ou certaines religions, que les gens devraient être comme ça, devraient être comme ça, mais en réalité aucun homme n'est comme ils décrivent. Mais c'est une voie qui a été pratiquée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en œuvre dans sa vie, jusqu'au point où ceux qui étaient autour de lui, les compagnons du prophète radiyallahu anhum, l'ont aimé et ont devancé sa parole à leurs propres paroles, son avis à leurs propres avis, leur vie devant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement ils l'ont aimé et ils ont vu en lui ses qualités et la pratique de l'islam et de ce comportement et de cette moralité. Et même eux, ils ont été touchés par ce comportement. Ils ont mis en pratique ces ordres du Coran jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ait décrits dans le Coran par des versets qui seront aussi récités jusqu'à la fin des temps. Il les a décrits en ces termes, dans le sens des versets, qu'ils devancent le besoin de leurs frères, même si eux, ils sont dans un grand besoin. Ils se sacrifient pour le besoin de leurs frères, même si eux, ils sont dans un grand besoin et dans la nécessité. Et on a plusieurs récits authentiques des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ils se comportaient entre eux, comment ils s'aimaient, comment ils étaient comme un seul corps, comment ils se sacrifiaient les uns les autres pour l'intérêt de la communauté et l'intérêt de leurs frères, serviteurs d'Allah. Comme les premiers siècles qui ont fréquenté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et appris de lui cette moralité et ce comportement, et par lequel ils ont réussi et ils ont été élevés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que même leurs ennemis reconnaissaient leur qualité, alors la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne peut revenir à son honneur et à son élévation et à son apogée qu'en s'attachant au comportement et aux enseignements avec lesquels est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par lesquels Allah a élevé les premiers siècles comme les compagnons radiyallahu anhum et les pieux prédécesseurs, ceux qui les ont suivis. Aujourd'hui,
le musulman est loin de pratiquer ce que l'islam lui demande. L'islam est dans une voie et la majorité des musulmans sont dans une voie opposée aux enseignements de l'islam. Et après, on se demande pourquoi les gens n'aiment pas l'islam et les musulmans. A-t-on pratiqué la réalité de l'islam dans notre vie ? A-t-on extériorisé le comportement du musulman ? A-t-on montré ce que c'est l'islam ? Ou bien juste, on a montré de l'islam que des signes apparents et le reste n'a pas suivi. Les faibles dans la foi, ou bien les koufars, ne regardent pas ta salat entre toi et Allah, ou bien tes adorations. Mais ils regardent le comportement qui ressort de toi. Ils se disent, si ces gens-là ils étaient dans la vérité, ils ne seraient pas comme ça. Ils ne seraient pas arriérés, ils ne seraient pas brouillons, désorganisés, nerveux. Non. Donc, on a un grand rôle, nous qui vivons dans les pays de Koufr, de montrer la réalité de l'islam, tant qu'on est ici. Pour nous, pour nos frères et sœurs qui sont faibles dans la foi, qui sont malheureusement tentés par les égareurs qui leur montrent que, regarde, les pratiquants ne sont pas bien, et aussi pour être une cause, inshallah, de guider, ou au moins d'établir la preuve sur les koufars. Que yawm al-qiyam, le jour du jugement dernier, on n'ait pas de compte à rendre à cause du fait qu'on est éloigné des gens de la vérité de l'islam. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ما يحب ويرضاه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وقل رب زدني علما